Je vais vous présenter un travail complètement interdisciplinaire, comme vous l'avez compris, à l'interface de la chimie et de l'écologie, qui sont pourtant deux disciplines qu'on a classiquement l'habitude d'opposer. Bien, l'objectif de ce travail est d'expliquer que donc, cette opposition est à tort et qu'au contraire, ces deux domaines disciplinaires peuvent se compléter merveilleusement bien, à condition de se mettre au service, finalement, d'un autre domaine, un problème environnemental, donc que vous avez vite comprendre puisque la Nouvelle-Calédonie est largement impliquée. Donc cette interface entre le milieu de l'écologie et celui de la chimie a fait naître ce concept nouveau de l'éco-catalyse qui nous a permis de revisiter complètement la chimie organique. Vous allez découvrir au fur et à mesure de cet exposé ce que sous-entend ce terme éco-catalyse. Donc, quels sont les problèmes environnementaux qui se cachent donc, derrière ce concept? Le bilan que nous pouvons partager tous ensemble et que vous connaissez n'est pas forcément très réjouissant, puisqu'on admet que si la population actuelle est à hauteur de 7 milliards, en 2050, elle devrait atteindre donc 9 milliards d'habitants. Et pourtant, eh bien, en même temps, le changement climatique que l'on connaît tous diminue les surfaces cultivables, au même titre que la perte de la biodiversité, donc qui est un obstacle évidemment à l'épanouissement et donc au développement harmonieux de cette population en croissance rapide. De même, de nombreuses espèces sont menacées par destruction de leur habitat naturel. On est dans une période de sixième extinction, donc bien relayée par le milieu de l'écologie. Enfin, le scénario est accentué par des dommages environnementaux dont on parlera, qui accentuent le problème et qui devient une véritable menace alimentaire. Faut-il donc faire une analyse pessimiste de cette situation? Je ne le crois pas. Je pense qu'il est important de dégager des solutions positives et de construire donc, un avenir sur des bases nouvelles, c'est-à-dire une approche tout à fait, une pensée différente qui va s'appuyer donc sur une rupture technologique, la preuve en est, déjà réunir chimie et écologie. Le contexte est assez favorable pour donc, espérer une évolution de la chimie. Pourquoi? Eh bien, je dirais qu'il y a une pression sociétale positive. Le consommateur, aujourd'hui, se pose beaucoup de questions, beaucoup plus que dans les années précédentes. En particulier, il s'intéresse à l'origine des produits qu'il consomme, en se demandant notamment quelles sont les méthodes qui ont conduit à la production de ces composés. Quelle est leur qualité finale? Y a-t-il une implication pour la santé? Y a-t-il aussi une implication sur l'environnement et l'écologie des écosystèmes qui nous entourent? Voilà plein de questions légitimes qui poussent la chimie à évoluer. Et il y a peu de temps, eh bien, la communauté scientifique de la chimie a choisi eh bien, de s'inscrire dans une démarche de développement durable. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un levier de développement également pour la chimie. C'est une façon de répondre à la demande sociétale en label bio, en label naturel, donc des produits consommés. Pression positive qui oblige les chimistes eh bien, à utiliser des matières premières, des ingrédients qui sont inoffensifs pour la santé. Beaucoup s'interrogent maintenant également sur la matière première. Est-ce que l'exploitation des ressources naturelles est quelque chose qui répond à l'éthique qu'on devrait avoir? Est-on en train de menacer ou d'épuiser des ressources naturelles qui sont utilisées comme matière première? Donc ces questions font vraiment l'objet de réflexions donc poussées et un grand nombre d'industriels sont maintenant très observés donc sur ces critères. Il y a également une volonté donc de développer ce qu'on appelle le concept de la chimie verte. On y reviendra, c'est quelque chose qui est important, qui est rentré dans les mœurs, non seulement des chercheurs, mais également du milieu industriel, qui veut vraiment s'appuyer sur des procédés qui vont limiter, voire supprimer, leur impact sur l'environnement. Donc on est, nous en tant que chercheurs, très responsables et très engagés dans cette démarche. On a le devoir de proposer, de concevoir de nouveaux procédés de chimie qui répondent donc à ces enjeux. Parmi les problèmes importants, eh bien, c'est savoir gérer donc, les déchets qui sont produits par la chimie. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure qui portent à réflexion. Un des plus gros fléaux de la chimie et qui est parfois méconnu, eh bien, ce sont tout simplement les déchets générés. Un certain nombre d'industriels, maintenant, affichent l'empreinte écologique des produits qu'ils proposent. Ça devient un critère de vente et ils ont eux-mêmes défini des critères très précis qui sont publiés et donc ils affichent la qualité finalement des procédés qu'ils utilisent. Donc tout ceci est bien sûr très positif
et conduit à une évolution du marché économique où la chimie verte est en pleine explosion. Donc cette chimie verte, qui est largement définie, reconnue par la communauté internationale, qui a dégagé 12 principes qui consistent à développer un guide conceptuel qu'il faut absolument suivre si on veut afficher un effort de durabilité. Nous trouvons que tout ceci est louable, nécessaire, mais une limite à cette réflexion est la suivante, c'est-à-dire que cette chimie verte répond aux problèmes futurs de l'avenir et de son impact futur sur l'environnement. En revanche, qu'en est-il des problèmes présents que nous avons ou de l'héritage des problèmes environnementaux qui se sont accumulés? Actuellement, on ne peut pas dire que la chimie verte s'y intéresse encore. Pourtant, le laboratoire a choisi de répondre à cette problématique. Est-ce que la chimie verte ne pourrait pas non plus contribuer à la résolution de problèmes environnementaux passés? Vous allez voir que ceci est possible grâce à ce concept de l'éco-catalyse, donc qui s'intéresse à la fois à l'environnement et à la chimie. Pour répondre donc à cette question fondamentale, comment résoudre ces problèmes environnementaux passés? Eh bien, dans un premier temps, la démarche a été de s'intéresser au domaine de l'écologie scientifique et à la biodiversité mondiale, dont on sait très bien qu'elle est menacée. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se concentre donc sur des zones tropicales et équatoriales ici, et certains imaginent que les explications de cette biodiversité riche dans ces zones donc, est due à des conditions climatiques. Quand on est chimiste ou géologue, on sait bien qu'il y a d'autres raisons. Ce qu'on appelle les conditions édaphiques, c'est-à-dire la composition minérale du sol qui est inhabituelle. Et sur ces zones de biodiversité extrêmement riches, sur Vietnam, Nouvelle-Calédonie, Gabon, etc., eh bien, une cause essentielle de cette biodiversité exceptionnelle, c'est une composition accrue en minéraux. En particulier, la Nouvelle-Calédonie, dans cette situation, la longue histoire géologique du territoire calédonien explique la présence très élevée de nickel, de manganèse, de chrome, de cobalt et de fer. Donc voilà une explication à cette biodiversité qui a bien sûr une autre conséquence que l'on imagine très vite, une richesse en nickel, eh bien, c'est donc la possibilité de développer une activité économique autour de l'extraction du minerai, le nickel. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très intéressant d'un point de vue développement économique. Malheureusement, eh bien, l'extraction minière du nickel nécessite le développement de mines à ciel ouvert, dont la première étape est une phase de décapage, c'est-à-dire d'élimination de l'horizon fertile supérieur, de la végétation. Une conséquence immédiate, eh bien, c'est une érosion des sols qui entraîne alors les sédiments contaminés lors des orages dans l'environnement, vers les rivières, voire vers le lagon calédonien. C'est un scénario qui se retrouve bien sûr bien ailleurs, et cette image n'est pas de Nouvelle-Calédonie, mais du Brésil, où des boues ont été drainées par rupture d'une digue et facilement emportée malheureusement vers l'environnement. Le problème est mondial, vous avez ici une image totalement différente, en Chine où des rizières sont aujourd'hui complètement contaminées par une exploitation minière donc proche de cette rizière. Donc c'est une réelle menace en Chine en tous les cas, mais dans d'autres endroits, pour les cultures alimentaires dont les surfaces se réduisent alors qu'on est à la recherche donc, de nouvelles ressources. Comment participer à la résolution d'un tel problème environnemental? Vous avez ici l'exemple d'un site hautement contaminé qui se situe en métropole, dans le Gard, ancien département minier, où on exploitait le zinc. Aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs miniers ont disparu. En revanche, donc le sol est complètement désertique, puisqu'on est à des normes très très élevées de métaux. Quand on dit zinc, pour un chimiste, on sait aussi que deux métaux très proches sont associés, cadmium et plomb. Vous connaissez tous l'effet néfaste du plomb. Eh bien, effectivement, les habitants qui vivent à proximité de ce site minier sont atteints de saturnisme, en particulier des enfants qui sont suivis donc pour une hyperplombémie sévère. Pourquoi? Eh bien, parce que ces sols sont mis à nu et le moindre coup de vent, il y a pas mal de mistral donc, à cet endroit, entraîne donc les poussières métalliques vers les habitations voisines. Un premier objectif est d'essayer de trouver des plantes qui vont pouvoir résister pour pouvoir les implanter durablement sur ce site et éviter cette érosion éolienne. Pour ceci, il faut faire tout d'abord un inventaire écologique du site et voir quelles sont les quelques espèces qui ont réussi à survivre. Parmi elles, nous avons relevé deux types de plantes,
certaines qui sont qualifiées de tolérantes, c'est-à-dire qu'elles arrivent à survivre malgré des taux très très élevés d'éléments métalliques polluants. Mais parmi elles, d'autres ont une propriété supplémentaire. Elles sont capables d'hyperaccumuler les métaux présents dans le sol. Vous avez un schéma qui représente ici ce phénomène. Donc, par le système racinaire, ces plantes extraient les métaux du sol et viennent donc les transporter et les stocker dans les feuilles, à l'intérieur des vacuoles. Elles n'en font rien d'un point de vue physiologique, mais les stockent en permanence comme pour mieux s'en protéger. Ces plantes sont appelées hyperaccumulatrices de métaux et ce phénomène s'appelle la phytoextraction. Eh bien, cette observation est à l'origine d'un vaste programme de phytoextraction que nous avons développé sur ce site minier hautement contaminé pour voir s'il était transposable à grande échelle et s'il pouvait apporter les bénéfices environnementaux donc espérés. Vous verrez que les résultats donc, ont été très intéressants et ont été vite généralisés à d'autres pays. Donc, je n'aurai pas forcément le temps de développer, mais on pourra en parler dans la discussion. À savoir, actuellement, nous développons ce programme sur deux types de scénarios. Donc, des sites complètement abandonnés, il y en a malheureusement beaucoup en métropole, mais également en Europe. Vous avez ici l'exemple d'une rivière en Sardaigne qui draine en permanence les sédiments d'un site à l'abandon. Donc un scénario très difficile puisqu'il n'y a plus personne, plus de partenaires industriels. Un scénario complètement différent où les opérateurs miniers sont encore présents et donc là, l'expérience particulière de la Nouvelle-Calédonie. Il y en a d'autres auxquels le laboratoire participe, notamment en Afrique, mais je pense que vous êtes beaucoup plus inspirés par donc, ce contexte local. C'est donc celui que j'ai choisi de privilégier et de développer ici. Donc le point de départ a été le Gard, le petit village de Saint-Laurent-de-Migné, qui est par ailleurs un site magnifique, c'est un haut lieu du tourisme, donc un joli village, qui a été donc l'objet d'opérations minières donc plus anciennes. Donc vous voyez un petit peu le point de départ, hein, donc on était donc sur donc des sites qui étaient d'anciens bassins de décantation, on avait entreposé le minerai où il était lavé, tout est resté en l'état, et les sédiments se sont donc accumulés dans ces bassins. Pour participer donc, à la revégétalisation de ce site, nous avons été obligés d'étudier deux petites plantes qui survivaient péniblement sur ce site. Donc, pour donc, les scientifiques, parce qu'il y en a ici, donc, je les ai déjà bien identifiées, donc, deux plantes, une qui s'appelle Nocea cerulescens, qui est un des meilleurs hyperaccumulateurs de zinc connus au monde, et une espèce qui a été identifiée par hasard sur le site, Antilis vulneraria, qui est une légumineuse. C'est une des très rares légumineuses à être capable d'être aussi une hyperaccumulatrice donc d'éléments métalliques. Donc cette observation de ces deux plantes était quelque chose d'assez extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'une légumineuse sur de tels sites est quelque chose d'extraordinaire, puisqu'elle est aussi une légumineuse classique par ailleurs, c'est-à-dire capable de réintroduire de l'azote dans ces sols où il n'y en a absolument plus, grâce à la symbiose donc, qu'elle développe avec des bactéries du sol. Première chose qu'il a fallu faire, identifier donc les bactéries qui vivaient dans ces sols. La biodiversité bactérienne est elle-même réduite à peu de choses et on trouve 100 fois moins de bactéries que dans un sol classique. En revanche, toutes les bactéries identifiées étaient nouvelles. Une centaine d'espèces ont été identifiées et l'une d'entre elles est une bactérie donc qui est capable de pénétrer les nodosités racinaires de la légumineuse. Nous l'avons identifiée, étudier sa physiologie, essayer de comprendre pourquoi elle arrivait à survivre sur ce sol, et on peut en discuter, c'est quelque chose de très joli, très élégant, que la nature a réalisé à faire. Et donc cette bactérie survit, a trouvé le matériel enzymatique pour, nous l'avons donc largement étudié pour la développer à grande échelle. De même, les mycorhizes associées aux racines de ces espèces ont été étudiées. Et donc la culture de ces micro-organismes, mycorhizes et bactéries, nous a permis de développer des inoculats qui nous ont permis de réussir la germination et le développement sur site par transplantation sur ce site hautement contaminé. 4 années après, donc, il était possible d'installer ces plantes dont on maîtrisait le développement dans les serres du laboratoire. Ce qui a été très sympathique, c'est qu'au bout de 2 ans, donc, cette végétation s'est largement développée. Donc, on avait vaincu la première difficulté, introduire de façon durable donc, ces espèces donc, sur donc, un bassin entier. Et puis, donc, ces espèces ont continué à s'auto-reproduire. On avait donc vaincu la première difficulté. Elles arrivaient à se développer seules sur ce site hautement contaminé.
Donc un nombre de plants importants ont pu être installés de façon durable, jusque donc à un développement naturel et non assisté. C'était un résultat important qui nous a permis de montrer pour la première fois qu'il était vraiment possible d'installer durablement donc des plantes hyperaccumulatrices de métaux à grande échelle dans un milieu donc très contraignant, très stressant, car très très riche en éléments métalliques polluants. Avec ces résultats, eh bien, nous avons essayé de développer un programme similaire en Nouvelle-Calédonie. Et dès 2010, donc, je me suis rendue et participée à un atelier d'écologie donc, qui avait lieu au centre IRD, où on a beaucoup discuté donc, de la pollution minière indirecte, puisque donc, vous le voyez ici, le fait de travailler à ciel ouvert, de décaper donc, toute la végétation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, draine les sédiments contaminés vers donc, les rivières qui finissent par contaminer le lagon. Donc c'est un problème environnemental indirect. Donc comment résoudre ce problème? Comment utiliser ce savoir-faire en phytoextraction donc, qui avait si bien réussi à Saint-Laurent de Minier? Un atout très important de la Nouvelle-Calédonie, c'est bien sûr donc, sa biodiversité exceptionnelle. Donc un nombre d'espèces endémiques absolument extraordinaire qui donne la possibilité de trouver des solutions écologiques. En Nouvelle-Calédonie, on trouve plus de 60 espèces capables d'hyperaccumuler le nickel, ce qui est extraordinaire. Seul Cuba est capable de faire mieux. En revanche, il y a d'autres espèces capables d'hyperaccumuler les métaux. Ce sont des hyperaccumulateurs de manganèse, donc un scénario absolument extraordinaire. Donc, en discutant un petit peu avec donc, les écologues du domaine, et ben, j'ai donc l'honneur ici d'avoir... Donc un jeune futur brillant chercheur, donc, qui est le petit-fils de Tanguy Jaffré, donc, qui est pour nous une référence dans le domaine et qui nous a beaucoup apporté en termes de connaissances, qui nous a permis eh bien, de dégager les espèces végétales hyperaccumulatrices qui avaient le plus de chances de survivre sur donc, ces terrains fortement dégradés. Parmi ces plantes, des espèces hyperaccumulatrices de zinc et de nickel donc, sont présentes. Ce sont des espèces pionnières que je vous présenterai tout à l'heure et qui ont des capacités de résistance sur ces sites dégradés. Ainsi, dès 2012, en collaboration avec la SLN, la société Le Nickel, et l'Institut agronomique donc néo-calédonien, nous avons entrepris la revégétalisation d'un site minier que vous connaissez nécessairement, à Thio, sur deux très grandes parcelles. Ces bons résultats, je vous montrerai, nous ont permis eh bien, d'envisager d'aller plus loin et la SLN nous a alors proposé de travailler sur le site de Thiébaghi. Puis les années suivantes sur le site de Kouawa, où là aussi les résultats, la croissance, la dynamique végétative de ces espèces donc endémiques de Nouvelle-Calédonie est suffisamment satisfaisante pour étendre à nouveau ces surfaces. On a dépassé 5 hectares de revégétalisation et la SLN nous propose d'étendre ces travaux sur Kouawa. Parallèlement, en 2015, Cognombo Nickel a choisi de rejoindre ce programme et donc nous a proposé également des sites de revégétalisation à Koumac. Et vous voyez ici donc Cyril, chercheur du laboratoire, qui est présent ici, t-shirt rouge, voilà, qui suit étroitement et constamment eh bien, la bonne croissance de ces espèces depuis le début. Donc ces travaux ont montré qu'il était possible donc, de réintroduire de façon durable, c'est les espèces végétales sur ces sites, pourtant très très dégradés. Donc voici quelques-unes d'entre elles, pour ceux qui les connaissent. Ici, Geisseus pruinosa, très connue comme plante ornementale. C'est pour nous une plante pionnière résistante, mais également un hyperaccumulateur de nickel. Des hyperaccumulateurs de manganèse, qui appartiennent au genre Grevillea, qui sont des espèces hyper résistantes. Et on avait bien vu que dans des essais préalables de réhabilitation, c'était les seules qui résistaient, dans la durée. Même quand on les abandonnait. Elles sont donc des plantes de départ pour franchir la première difficulté, les premières étapes donc de réhabilitation, les premières plantes à réintroduire. Les contraintes pour développer ces programmes de réhabilitation par phytoextraction donc, sont importantes. La première, c'est l'altitude. Ainsi, par exemple, à Thio, on travaille à plus de 600 mètres d'altitude, ce qui limite évidemment très très vite le choix des espèces possibles. Les facteurs climatiques que vous connaissez et qui ne sont pas très favorables à ces opérations, 6 mois de sécheresse où les plants souffrent, 6 mois de pluie où les jeunes plants sont emportés lors des orages. Mais le pire, eh bien, ce sont les conditions, les compositions du sol, donc ces contraintes édaphiques, puisqu'il y a un lot de métaux toxiques pour les plantes assez redoutables, nickel, manganèse, fer, chrome, cobalt,
et malheureusement, très peu d'éléments nutritifs nécessaires et favorables, très peu de phosphore, de calcium, etc. Donc un programme difficile qui nécessite bien des recherches donc pointues en écologie scientifique pour trouver les amendements particuliers adaptés à la survie de ces espèces. Donc c'est un travail qui se fait, donc, comme je l'ai dit, depuis 2012, qui progresse et qui nous permet eh bien, de comprendre de mieux en mieux quels sont les efforts à fournir pour aider et favoriser le développement de ces espèces. Dans un deuxième temps, et ça c'est donc déjà abordé et réalisé, c'est l'introduction de légumineuses qui sont tolérantes à ces conditions et qui vont donc, comme à Saint-Laurent-de-Minier, réintroduire de l'azote et favoriser le développement des espèces pionnières. Dans les années à venir, et c'est ce que nous sommes en train de préparer dès maintenant, nous essayerons d'introduire eh bien, de nouvelles espèces de façon à élargir la biodiversité locale, mais le développement des espèces pionnières permettra eh bien, le développement donc, d'espèces plus fragiles. Donc, ces travaux de phytoextraction donc, sont une réussite, les résultats sont encourageants, mais un problème important se pose, à savoir qu'allons-nous faire de cette biomasse, que peut-on en faire? Cette question est fondamentale à double titre. Deux problèmes se posent. Le premier est purement économique, à savoir que, comme vous l'avez vu, ces programmes de phytoextraction doivent se gérer dans la durée. Il est important de prendre son temps, de respecter le développement de ces espèces, de respecter la nature, et de voir dans la durée quelles sont les maladresses, quels sont les réajustements à faire. Pour envisager un programme de réhabilitation jusqu'à son terme, il faut donc de nombreuses années d'efforts, de patience et de soutien financier de la part de nos partenaires industriels. C'est donc un effort économique important. Des études économiques ont d'ailleurs clairement montré qu'il était fondamental de trouver une valorisation économique à cette phytoextraction, sinon elle n'était jamais conduite jusqu'au bout. Deuxième question importante, nous l'avons vu, donc ces plantes font de la phytoextraction. Donc elles extraient les métaux et les stockent dans leurs feuilles. Ces plantes ne sont pas toutes pérennes, en tous les cas, un certain nombre de feuilles tombent sur le sol et sont hyper chargées en métaux. Cette question et ce problème a longtemps limité le développement de la phytoextraction. Beaucoup d'écologues n'osaient pas se lancer, considéraient même que ces feuilles étaient des déchets contaminés, donc des plantes indésirables qu'il ne fallait pas développer. Donc il était tout à fait important de trouver une valeur scientifique et après économique à ces feuilles afin de les faire sortir de leur statut de déchet. C'est là l'innovation du laboratoire, c'est d'avoir trouvé un premier débouché donc crédible et en accord avec ces efforts d'écologie. Quel est ce programme? Eh bien, c'est de ramasser donc les litières de ces feuilles, c'est-à-dire les feuilles mortes qui sont les plus chargées en métaux, et de les transformer, vous en voyez une ici, donc c'est une vieille feuille de Geisoïs pruinosa, les transformer en ce qu'on appelle des catalyseurs, cette poudre verte. Qu'est-ce qu'un catalyseur? Donc tout le monde n'est pas chimiste ici. Ce n'est pas si compliqué que ça, parce que finalement, c'est un terme très commun qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de différence avec la chimie. Qu'est-ce qu'une personne qu'on qualifie de catalyseur? C'est une personne qui a une bonne idée pour débloquer une situation difficile. Un projet collectif qui aurait du mal à évoluer peut tout d'un coup avancer beaucoup plus vite parce qu'une personne a l'idée qu'il faut et donc on va la qualifier de catalyseur. En chimie, c'est pareil. Il y a certaines réactions qui sont extrêmement difficiles, très lentes, voire impossibles. Et on a besoin de catalyseurs pour les faire démarrer ou pour les accélérer. C'est exactement la même idée. Eh bien, nous avons réussi à montrer que ces catalyseurs qui venaient des feuilles, qu'on avait transformés à partir des feuilles, qu'on a appelés éco-catalyseurs, pour rappeler leur origine écologique, pouvaient avoir une activité en chimie extraordinaire et pouvaient nous permettre eh bien, de préparer tout un lot de biomolécules. Dans le domaine des cosmétiques, c'est ce qui est très avancé au laboratoire et donc en développement pour certaines applications. Des molécules complexes, j'en donnerai quelques exemples, dont certaines sont des médicaments anticancéreux, antiviraux, agents antipaludiques. Et également, je donnerai un exemple intéressant d'un insecticide dit de nouvelle génération, car il est totalement bio-inspiré, dépourvu d'écotoxicité. Et c'est un exemple de ce qu'on essaiera de développer dans l'avenir pour essayer de s'affranchir de tous les problèmes que vous connaissez tous, de la toxicité des insecticides et plus largement pesticides qui ont été utilisés pendant des années. Tous les efforts fournis en écologie, en phytoextraction, réhabilitation,
c'est-à-dire développement de plantes qui accumulent zinc, nickel, cuivre, manganèse, palladium, cobalt, etc., nous ont permis eh bien, de préparer un grand nombre d'éco-catalyseurs, donc extrêmement différents, éco-rhodium, nickel, platine, j'attire votre attention là-dessus, le platine qui est très difficile d'accès, on pourra en parler, est deux fois plus cher que l'or, éco-manganèse, cuivre, palladium, zinc, etc. Donc toute une gamme d'éco-catalyseurs ont été préparés au laboratoire et on a étudié leur intérêt en chimie. Pas n'importe comment, nous avons souhaité repenser, reconcevoir la chimie en utilisant ces catalyseurs, en s'inscrivant dans une démarche de chimie verte et durable, à savoir minimiser le nombre d'étapes quand on fait un produit pour minimiser donc, les solvants et les déchets générés, s'intéresser aux réactions qui conduisent à des risques industriels avérés, réactifs dangereux, solvants inflammables, s'intéresser également à trouver des solutions à une réglementation européenne de la chimie qui s'appelle REACH, qui est très courageuse, puisqu'elle consiste à supprimer très régulièrement des catalyseurs ou des réactifs qui sont dangereux, ils sont supprimés, mais ça pose un problème immédiat pour l'industrie chimique qui n'a pas forcément les solutions de remplacement. Donc, eh bien, notre devoir en tant que chercheur, c'est d'essayer de trouver au plus vite des solutions de remplacement et de les transférer vers le milieu industriel si ces solutions sont viables à grande échelle. On s'inscrit dans cette démarche et vous verrez que ces éco-catalyseurs de Nouvelle-Calédonie permettent d'y répondre. Remplacer ces métaux précieux, platine, palladium, qui sont devenus stratégiques pour l'industrie chimique européenne, qui a de plus en plus de difficultés à s'approvisionner en matières premières, on y reviendra. Et évidemment, développer des procédés qui sont complètement éco-responsables et sans impact sur l'environnement, en visant le marché le plus prometteur, celui de la chimie verte. Tout ceci impose de repenser complètement la chimie. Et ces catalyseurs d'origine végétale s'y prêtent bien. Ainsi, par exemple, imaginons donc que la plante soit un hyper-accumulateur de nickel, très répandu en Nouvelle-Calédonie, M, c'est le nickel. La chimie, pour l'instant, travaille avec des catalyseurs purs, du nickel pur. Ça fait partie, par exemple, des activités d'Eramet, maison mère de la SLN. Actuellement, l'industrie chimique recherche des catalyseurs de plus en plus purs, de plus en plus coûteux et qui engagent des procédés qui forcément impactent l'environnement. Nous avons fait le pari inverse en nous appuyant sur une vérité constante, à savoir que la nature ne fait rien en vain. La nature nous proposait par ses plantes eh bien, un ensemble de cations métalliques, ceux qui viennent de la phytoextraction et ceux qui sont naturellement présents parce qu'ils sont nécessaires à la vie physiologique de la plante. Ainsi, par exemple, il y a toujours du magnésium dans une feuille parce que c'est un composé important de la chlorophylle. Nous avons choisi de faire avec, de ne pas les séparer et d'essayer donc de conférer des effets de synergie entre tous les cations. C'est-à-dire que tous les cations, par exemple le magnésium de la chlorophylle, devaient jouer un rôle et aider le nickel à réagir dans la réaction. Donc ceci a été à l'origine d'un concept particulier au laboratoire, la catalyse coopérative, donc qui s'appuie sur cette composition plurimétallique. Donc nouveau concept, nouvelle théorie, nouveau problème, et la démarche qui a suivi, je ne rentrerai pas dans le détail parce que tout le monde ne serait pas forcément intéressé, mais ceux qui vont repérer des choses d'intérêt pour eux, donc je suis à leur disposition pour en discuter. Analyse de ces nouveaux matériaux, tout d'abord analyse minérale, il fallait connaître la composition complète de ces catalyseurs. Analyse plus fine de la structure de ces matériaux, analyse vraiment intime, comment eh bien, tous ces matériaux s'agencent les uns par rapport aux autres. Donc c'est un travail de longue haleine, et nous avons le plaisir d'avoir initié donc, entre Cyril et Mickaël une collaboration sur ce sujet. Essayer donc d'utiliser les compétences de l'Université de Nouvelle-Calédonie pour donc avoir une idée plus précise grâce à l'imagerie électronique donc de ces matériaux. Toutes ces connaissances accumulées en termes de structure nous ont permis d'anticiper l'affinité que nos catalyseurs auraient avec des molécules de départ et finalement de prévoir dans quelle réaction de la chimie l'activité catalytique serait intéressante. Ceci a été mis à profit dans des réactions, je vais vous montrer quelques exemples qui, je pense, vous parleront, des réactions de la chimie organique difficiles, mais qui ont un potentiel et qui répondent à des problématiques industrielles et, comme je vous l'ai dit, qui s'inscrivent dans le marché de la chimie verte en plein essor. Un premier exemple,
Ici, c'est la synthèse du monastrol. Pourquoi le monastrol, cette molécule? Il se trouve que c'est un agent anticancéreux très intéressant. Pourquoi un agent anticancéreux? Vous savez que le problème des cellules cancéreuses, c'est leur multiplication incontrôlée, et donc qui ne s'arrête jamais. Donc, beaucoup d'agents anticancéreux ont comme conception de base d'essayer de bloquer donc cette multiplication cellulaire, bloquer la mitose. Eh bien, le monastrol a ses propriétés biologiques. Il est capable d'interférer, de bloquer la migration des chromosomes vers les pôles cellulaires lors de la division donc, cellulaire. Donc le monastrol donc, bloque, voyez ici, l'effet du monastrol sur les chromosomes. Un effet biologique très intéressant. En revanche, la difficulté majeure, eh bien, c'est la préparation de ce monastrol. Quand on utilise un catalyseur conventionnel qui vient de la métallurgie, donc par exemple ici, ce sel de nickel, le rendement plafonne à 11%, donc c'est très très faible, il est illusoire donc, de produire industriellement une molécule avec un si faible rendement. Eh bien, l'éco-nickel, c'est-à-dire le catalyseur qui dérive de Geisois pruinosa, hyperaccumulateur de nickel développé à Thiot, nous a permis de multiplier par un facteur important le rendement, puisque nous sommes montés jusqu'à 72%. Pourquoi? Eh bien, quand on regarde la synthèse du monastrol, même si on n'est pas chimiste, on voit vite que c'est assez compliqué, il faut trois étapes, trois transformations successives. Chaque étape nécessite un catalyseur. Malheureusement, le catalyseur utile doit être différent. C'est-à-dire, au début, la première molécule qui doit réagir est un peu paresseuse. Si on ne l'active pas, elle ne réagit pas. Il faut un catalyseur, donc, pour les chimistes, un acide Lewis dur, qui est symbolisé ici en rouge. Et la réaction va démarrer. Elle va s'arrêter à cet intermédiaire. Mais pour que cet intermédiaire continue à réagir, il faut un autre catalyseur. Tous ceux qui travaillent en catalyseur monométallique avec un métal n'ont aucune chance et ils s'arrêtent à la première étape. Dans un éco-catalyseur, donc qui est complètement polymétallique, et pour ceux qui sont chimistes, eh bien, je vous montre donc la composition. Donc voilà les sels présents dans la structure de l'éco-nickel. Eh bien, en deuxième étape, on a les deux sels qui sont nécessaires à l'activation de la deuxième étape. Et enfin, la troisième étape nécessite un autre type d'activation qui est présent par les autres espèces donc métalliques qui sont donc présentes dans ce catalyseur. Ainsi, on a pu montrer à travers ce premier exemple que l'éco-catalyse, basée sur le concept de la catalyse polymétallique, était extrêmement intéressant pour la synthèse de molécules complexes. On a essayé d'augmenter la difficulté, et là je vous montre un résultat donc, tout récent du laboratoire, donc, un résultat qui est attendu depuis longtemps. Pourquoi? Parce que nous travaillons également au Gabon, nous avons fait des études écologiques en éco-catalyse sur des plantes minières qui sont très intéressantes, et on a été sensibilisés à l'occasion de ces études à un problème majeur donc, au Gabon, le paludisme. Donc c'est vraiment un fléau. Certains médicaments ont une activité, malheureusement, le coût est très élevé. Pour ceux qui vont dans ces pays-là, vous connaissez peut-être la malarone et le prix associé, donc est assez douloureux. Donc l'idée, c'était de revoir la synthèse de ce type d'antipaludiques actifs. Ils sont donc ici, leur structure est présentée. Ce sont des structures complexes, la synthèse est extrêmement difficile, ce qui explique facilement le coût de ces médicaments. Donc notre idée était de revoir un petit peu la synthèse de ces composés à l'aide de l'éco-catalyse. Alors là, pareil, hein, même si on n'a pas chimiste, on comprend vite la problématique. Donc les deux molécules de départ, qui sont départ de la synthèse, sont des molécules courantes, le citral présent dans le citron, des choses communes. En revanche, quand la réaction démarre, eh bien après, elle peut donner une infinité de possibilités. Très difficile de contrôler la réaction pour l'orienter vers un seul composé. Eh bien, grâce à l'éco-catalyse, et en particulier à un éco-zinc, eh bien, on a été capable d'orienter donc, la réaction et de, donc, parmi tous les chemins possibles, de diriger la réaction vers une structure unique, donc qui est une structure active et très proche de la malarone. Donc voilà un résultat qui est en cours d'étude, d'optimisation, mais qui montre à nouveau donc, l'intérêt de l'éco-catalyse. On va partir quelques instants en Chine pour voir donc, un autre intérêt donc, de cette approche. Donc, c'est la rizière que je vous ai présentée tout à l'heure, donc, qui est largement contaminée, pas seulement,
un champ de maïs proche était également contaminé par donc du zinc dû à la proximité d'une industrie minière. On sait très bien qu'un des gros problèmes donc de la Chine, c'est de nourrir toute sa population. L'atteinte des ressources alimentaires est évidemment très problématique, gros problème de pollution, et on cherchait à développer une solution originale, écologique, qui pourrait permettre eh bien, de résoudre au moins partiellement ce problème. Donc l'idée a été d'identifier un hyperaccumulateur de zinc en collaboration avec un écologue chinois. C'est un programme donc interdisciplinaire donc franco-chinois qui nous a permis de développer donc cette plante hyperaccumulatrice de zinc donc avec le maïs, avec des rangées alternées de maïs et d'hyperaccumulateurs de zinc. Après quelques années de culture de cet hyperaccumulateur de zinc, il a été montré que le taux de zinc diminuait très fortement dans le maïs et il s'approchait de normes acceptables pour être consommées. Donc c'était une victoire, mais tout n'était pas gagné. Il nous restait à nouveau un problème important qui était le devenir de ces plantes qui avaient concentré le zinc. Que pouvait-on en faire? Donc là aussi, il était hors de question donc de laisser la plante en l'état, de la brûler. Il fallait lui trouver donc une utilisation pour qu'elle ne soit pas traitée comme un déchet. Donc l'idée a été de s'intéresser à une autre forme de pollution qui est également dramatique donc en Chine. Ce sont les pesticides qui ont été utilisés de façon abondante et incontrôlée et qu'on retrouve partout. Donc l'idée, c'était eh bien, de trouver des substituts à ces pesticides. On s'est notamment intéressé aux insecticides qui étaient utilisés donc, pour les cultures donc, à fin alimentaire. Comment trouver une solution, un insecticide qui n'aura pas de toxicité? C'est quelque chose de difficile, mais c'est là où la bio-inspiration, la recherche de solutions naturelles est souvent donc, très fructueuse. Et là, l'idée a été d'observer comment certaines espèces végétales étaient capables de se défendre quand elles étaient attaquées par des insectes. Bon, la nature trouve toujours des solutions merveilleuses. Et donc certaines espèces végétales émettent des molécules de défense qui sont capables de repousser, voire certaines fois, d'attaquer les insectes chimiquement. Tout ça, c'est de la chimie. C'était très intéressant. Donc l'identification de ces structures donc, donnait des pistes. Petit problème, les espèces végétales émettent très peu de molécules qui servent de molécules de défense. D'autre part, ces espèces végétales ne sont pas particulièrement abondantes. Donc il était illusoire d'imaginer la production industrielle de ces molécules par extraction à partir des plantes, on aurait très vite épuisé les ressources naturelles. Donc l'importance ici, eh bien, c'était d'être capable de les synthétiser. Donc c'est ce qui a été fait grâce aux écozingues donc, qu'on a développé sur ce site donc, où on cultivait le maïs. Et après quelques années de recherche, nous avons développé l'accès à toute une famille d'insecticides dont la structure de base est donc complètement inspirée des structures naturelles. J'ai évoqué tout à l'heure la réglementation REACH, donc, qui a un effet donc, évidemment bénéfique sur le long terme, puisque donc, l'industrie chimique utilise de moins en moins de réactifs toxiques, de catalyseurs dangereux, donc c'est très bien. C'est quand même aussi pénalisant pour l'industrie chimique européenne qui est en compétition avec des pays où ces obligations n'existent pas. Donc le problème n'est quand même pas mince. Et un domaine où la chimie pose beaucoup de problèmes, eh bien, ce sont les réactifs d'oxydation qui ont été utilisés pendant très longtemps, car donc même si vous ne connaissez pas les formules de chimie, il y a des petites icônes ici qui rappellent l'essentiel, à savoir que tous les réactifs d'oxydation posent des problèmes de toxicité. Donc certains collègues recherchent donc de façon intense des substituts donc aux réactifs oxydants qui vont progressivement être interdits par cette réglementation. Quand on voit les systèmes catalytiques de remplacement qui ont été élaborés, quand on voit la complexité moléculaire de ces réactifs, il est illusoire d'imaginer qu'ils puissent être développés industriellement. Ils coûtent bien trop cher, c'est bien trop élaboré. En plus, ils sont tous solubles dans l'eau, donc tous perdus, non recyclables, et on voit bien qu'il y a un problème. Donc il était absolument fondamental eh bien, d'essayer de trouver de nouvelles méthodes. Eh bien, vous allez voir donc, sur un exemple particulier que l'écomanganèse, à savoir le catalyseur qui dérive des espèces hyperaccumulatrices du genre Grevillea, donc qu'on développe de façon intense sur les sites miniers calédoniens, ont permis de proposer des substituts tout à fait compétitifs, des réactifs, donc progressivement interdits.
J'ai choisi un exemple qui vous parlera. C'est la synthèse de la vanilline, c'est la molécule qui a l'odeur de la vanille, qui est d'ailleurs présente dans les gousses de vanille. C'est intéressant puisqu'il y a un énorme marché de la vanilline et on ne peut pas répondre donc à ce marché uniquement par la production de gousses de vanille. Donc il y a un gros marché de synthèse qui synthétise la vanilline par des procédés qui sont améliorables. Donc, il a fallu trouver une solution. Eh bien, en utilisant une matière première naturelle et abondante, ici, qui est présente dans les clous de girofle, il a été possible d'enchaîner directement trois étapes d'oxydation successives grâce à l'écomanganèse issue de Crivella et Exul. Ce qui a été très intéressant, c'est l'efficacité, la réaction, un rendement très élevé, et également donc un catalyseur qui est complètement recyclable. Ce résultat était très motivant. Pourquoi ? Parce que très souvent, on considère que faire de la chimie verte, de la chimie éco-compatible, va être une régression en termes de performance. Donc là, on a réussi à prouver l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on fait un effort donc, vis-à-vis de l'environnement qu'on va régresser. Au contraire, ici, ça a été source de moteur progrès scientifique. Et donc, cette réaction a été transposée à plus grande échelle pour étudier son industrialisation. Un autre exemple, donc tout aussi intéressant à mon sens, c'est la production de l'isopulégol, parce que donc c'est une molécule que finalement vous côtoyez quasiment tous les jours. C'est une molécule naturelle d'origine qui ressemble beaucoup à la menthe, qui a la même odeur que la menthe, mais moins irritante que la menthe, en particulier pour les enfants. Et on la retrouve donc dans les chewing-gums à la menthe, dans les dentifrices à la menthe, elle est très abondante, on la trouve quasiment partout. Vu le marché, il faut la synthétiser. Quand on regarde le marché et la façon de produire cet isopulégol, le procédé industriel utilise un sel de zinc dont la préparation n'est pas verte du tout et est très problématique au niveau environnemental, utilise un solvant qui est complètement indésirable et actuellement en termes de toxicité, avec un rendement intéressant mais modeste. Un autre procédé a été utilisé avec des techniques modernes. La réaction est rapide, pas de solvant, mais ce qu'on appelle la sélectivité n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'on obtient un mélange de composés. Il n'y a que un pourcentage insuffisant de la bonne structure dans le mélange réactionnel obtenu qui nécessite des étapes de purification qui sont indésirables en termes de chimie verte. En revanche, quand on utilise un écozinc sans solvant, par simple cobroyage, eh bien, la réaction dure 10 minutes sans aucun chauffage. Le rendement est total et donc la sélectivité obtenue correspond aux normes requises pour utiliser l'isopulégol. Donc un résultat très performant qui montre également la pertinence de ces catalyseurs. On avait un écozinc, mais si maintenant on utilise un écomanganèse qui dérive encore de Crivella et Exul, eh bien, il est possible de pousser la réaction jusqu'au bout. C'est-à-dire quand on change d'éco-catalyseur et donc finalement de plante, on contrôle un mécanisme réactionnel différent. On l'oriente dans une autre direction. Et ici, on ne peut pas isoler l'isopulégol, la réaction continue tout de suite pour synthétiser ce qu'on appelle le paracimène, qui est présent naturellement dans la carotte, dans l'orange, mais en très faible quantité. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette molécule est typique de ce qui dérive de la pétrochimie, classiquement. Elle est produite en grosse quantité par la pétrochimie. Pétrochimie, bien sûr, a son impact environnemental qu'on connaît tous, mais on sait aussi qu'il y aura bientôt plus de pétrole. Il faut donc réfléchir à d'autres méthodes de préparation de ces molécules. Voilà donc un exemple, avec uniquement des produits naturels, donc ici un produit extrait du citron, un catalyseur d'origine végétale, on peut faire un autre produit qui est présent dans la nature, mais ici en grosse quantité. Un des plus gros problèmes de la chimie verte est présent ici, c'est la réduction. Pourquoi ? Eh bien, beaucoup d'agents de réduction utilisés au niveau industriel présentent des risques. Ils utilisent des pressions très très élevées, qui sont reconnues par les industriels eux-mêmes comme des installations à risque, mais n'ont pas d'autre choix. Les catalyseurs utilisés, en fait, sont rarement utilisés en faible quantité et souvent en quantité stoichiométrique. Ou alors, s'ils sont utilisés en faible quantité, eh bien, ce sont des métaux stratégiques,
ce qui pose des problèmes d'approvisionnement. Les déchets générés par ces réactions de réduction sont énormes et j'ai choisi volontairement quelques chiffres pour illustrer le problème. Donc vous avez ici la production, le domaine de production concerné, pétrochimie, chimie lourde, chimie fine, pharmacie. Et ici, les chiffres qui font vraiment réfléchir, c'est ce qu'on appelle chez nous le E-factor, mais c'est très simple, c'est le kilo de déchets produits par kilo de produits synthétisés. Ainsi, par exemple, dans la chimie lourde, quand on produit 1 kg de matière, on génère 1 kg de déchets. Ça reste acceptable. En chimie fine, vous voyez qu'on est capable donc, de préparer donc, pour 1 kg de produit 50 kg de déchets. Et le pire, ce n'est pas forcément ce qu'on anticipait, c'est la pharmacie. Quand on prépare 1 kg de médicaments, on peut générer jusqu'à 500 kg de déchets. C'est monstrueux. Un des objectifs majeurs de la chimie verte, c'est de résoudre ce problème et de supprimer ou de réduire au maximum donc les déchets générés. Et donc là, il y a de l'innovation à faire et des procédés à développer. Eh bien, donc un résultat intéressant a pu être atteint grâce à un éco-nickel, donc qui dérive d'un hyper-accumulateur de nickel. J'en montre un exemple sympathique qui concerne le domaine des parfums. C'est la transformation, donc ici du citral, encore une molécule qui est présente dans le citron, en une autre molécule qui a une odeur très agréable, le géraniol, qui a l'odeur de rose et qui est souvent utilisée par les parfumeurs puisque ça renforce la note de jasmin qui est présente dans quasiment tous les parfums. Le marché est important, la réaction est difficile et fait appel à des métaux stratégiques donc qui sont actuellement vraiment très problématiques. Eh bien, l'éco-nickel a permis de résoudre ce problème, d'avoir une réaction donc, à très haut rendement, hyper propre, à savoir qu'on ne réduit qu'un seul groupe fonctionnel, alors qu'il y a beaucoup de compétition ailleurs sur le squelette de la molécule. Donc un gros résultat qui est largement compétitif avec donc, ce qui est utilisé actuellement. Les exemples sont nombreux, donc je vais aller très vite pour ne pas vous en donner trop et revenir donc à l'évolution de ce travail. Donc un autre exemple sympathique, donc que j'ai déjà un petit peu abordé, c'est-à-dire quand on change de plante et donc de structure catalytique, la réaction est tout à fait différente. Avec un écozinc, on a pu faire donc une molécule qui s'appelle jasmacyclène, donc qui est commercialisée par Givaudan pour son odeur anisée, utilisée donc largement également dans les parfums. Quand on prend un éco-nickel, on fait une molécule qui n'a strictement rien à voir et qui est une molécule plateforme pour la chimie. Un travail donc, qui est étudié actuellement donc, à grande échelle, c'est la synthèse d'un précurseur de la vitamine A, qui est utilisé partout, évidemment en nutrition. Le marché est énorme, la synthèse est extrêmement difficile. Et une molécule intermédiaire, c'est celle-ci, elle s'appelle la bêta-ionone. Elle est également utilisée non pas pour la synthèse de la vitamine A, mais aussi pour son odeur très agréable selon ses concentrations. Elle a une odeur de cèdre, de framboise et en milieu très dilué de violette. Donc une molécule très intéressante. Il a été possible de la préparer par des éco-catalyseurs, donc à partir à nouveau du citral, un éco-calcium, puis un éco-zinc. En résumé aujourd'hui, eh bien cette éco-catalyse qui prend appui sur la phytoextraction, la revégétalisation de sites miniers, nous permet de faire des molécules de plus en plus compliquées. Ainsi, par exemple, celle-ci, qui est une molécule complètement synthétique. Pour le coup, elle n'existe pas dans la nature, mais elle a l'odeur du bois de santal. On peut la préparer en utilisant l'éco-catalyseur adapté selon la transformation qu'il faut faire. Un éco-manganèse, un éco-zinc, un éco-calcium et un éco-nickel. Donc cette synthèse très complexe et très longue a mis en évidence eh bien, la richesse des éco-catalyseurs en chimie de synthèse. Je vais aborder maintenant l'évolution donc, de ce travail scientifique, à savoir atteindre une deuxième génération d'éco-catalyseurs pour s'intéresser à un autre problème, c'est le problème de la pollution des systèmes aquatiques. Trouver des plantes aquatiques capables de résister à la pollution et qui vont cette fois-ci absorber les métaux, un petit peu comme une éponge, via leur système racinaire. Ceci nous a permis, sur quelques exemples, j'en montrerai qu'un,
eh bien, de développer de nouveaux éco-catalyseurs, en particulier ceux qui sont si problématiques, éco-palladium, éco-platine, donc les métaux nobles et stratégiques, mais aussi éco-cuivre et les premiers éco-fers. Ceci a un avantage très important, c'est que les cultures sont extrêmement faciles. En 4 jours, on arrive à obtenir environ 80% de bioconcentration des métaux donc dans les systèmes racinaires, et donc c'est une plante extrêmement facile à manipuler. Donc actuellement, nous développons donc cette même filière à partir d'effluents industriels d'origines différentes, exploitation de carrières, industrie minière, mais également industrielle de la chimie, dont on récupère les effluents qu'on traite par ces plantes pour générer aussi des éco-catalyseurs qu'on est en train de comparer à ceux qui dérivent de la phytoextraction dans des applications similaires. L'idée est de trouver celui qui sera le plus performant. Ceci répond aussi à un problème environnemental majeur. Donc les effluents industriels, les normes européennes existent, elles sont exigeantes, on peut s'en féliciter. Simplement, afficher des contraintes ne consiste pas à résoudre un problème. Il faut trouver des solutions donc pour traiter ces effluents. Vous avez peut-être regardé une émission récente qui pose le problème, donc l'exemple de Gardanne, par exemple, qui montre toute la difficulté de la situation. Les normes, c'est bien. Les solutions, il faut les trouver. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ces plantes pour résoudre ce problème industriel, rentrer dans les normes sans générer de nouveaux déchets. Le problème des boues est bien celui-ci. C'est que les traitements qui sont imposés ne sont pas forcément les plus adaptés. Ils génèrent d'autres déchets qu'on ne sait pas gérer. Donc, notre idée est d'intervenir le plus tôt possible, en amont, directement au niveau des effluents, pour les dépolluer afin d'éviter donc, la production de ces boues. On s'est intéressé très très vite aux métaux les plus précieux, donc qui sont vraiment d'un intérêt majeur. Donc ces métaux nobles, platine, palladium. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux pays producteurs. L'Afrique du Sud, donc qui est un des plus gros producteurs donc de platine et donc de palladium. L'extraction du minerai coûte de plus en plus cher. Les salaires ne progressent pas comme les mineurs le souhaiteraient, ça entraîne des grèves extrêmement dures et un approvisionnement difficile. L'autre pays producteur est la Russie. C'est moins abondant en Russie. En revanche, vous connaissez le contexte politique que je ne vous expliquerai pas, qui est un petit peu délicat en Europe, entre la France, l'Ukraine, la Russie. Et donc, il est bien évident que toute l'industrie chimique européenne est complètement dépendante, et c'est toujours dangereux, de deux pays qui ont leurs propres problèmes, qui sont politiquement dans un contexte un petit peu délicat par rapport à l'Europe et qui traduit une réelle menace pour l'approvisionnement de l'industrie chimique européenne qui n'a aucune ressource donc, dans ces minéraux. Donc l'idée était de s'intéresser à une autre solution pour disposer de ces métaux stratégiques. Une autre motivation, et qui traduit le contexte politique, eh bien, c'est l'augmentation continuelle du coût de ces métaux. Et le palladium en 2014 était à moitié du prix de l'or, le platine est au-dessus. Quel est le procédé qui est étudié au laboratoire? Donc il repose sur le concept suivant, c'est récupérer donc, les effluents industriels en sortie de réacteur, donc avant tout rejet, certainement pas en station d'épuration, c'est trop tard, donc le plus tôt possible, les traiter par des plantes donc qui ont la capacité racinaire à absorber les métaux, transformer les racines en éco-catalyseurs, les redonner aux partenaires industriels qui nous redonnent ces effluents qu'on retraite. En gros, travailler donc en recyclage continuel et donc en économie circulaire. Eh bien, ceci a été réussi sur un éco-palladium, à l'aide précisément d'effluents industriels, d'un partenaire qui a accepté de jouer le jeu. Donc vous voyez ici donc, le traitement en fait, des plantes au laboratoire et l'étude minérale qui montre qu'on est capable de concentrer énormément de palladium dans la plante. Le choix de la plante et des conditions d'extraction vont conditionner le résultat. On peut obtenir des taux très très élevés de palladium dans les racines qui constituent le point de départ d'un nouveau catalyseur en palladium. Des analyses chimiques ont montré que la racine même changeait le degré d'oxydation du palladium et de façon positive pour nous. Et le mieux, eh bien, c'est l'image électronique qui traduit tout de suite eh bien, la structure idéale du catalyseur. Tous les petits points noirs
ce sont les sites de palladium, les futurs sites catalytiques du catalyseur, c'est-à-dire de toutes petites particules qui sont stabilisées et idéalement dispersées sur la matrice minérale. Donc un matériau catalytique tout nouveau qui se démarque du palladium pur, mais qui a tous les critères requis pour être un bon catalyseur. Les résultats sont évoqués là. Donc, bien sûr, Suzuki et Heck ne disent pas grand-chose aux non-chimistes, mais si je vous dis que ce sont les chimistes qui ont obtenu le prix Nobel de chimie donc en 2010, ça vous parlera davantage, puisqu'ils ont inventé une nouvelle façon de créer des liaisons carbone-carbone, justement par une chimie douce. Sans impact sur l'environnement, leur problème, c'est qu'il faut du palladium. Donc, c'est bien un scénario qui nous intéressait. Et donc, le palladium récupéré des racines, nous, par donc, traitement d'un effluent riche en palladium, nous a permis de générer donc, un éco-palladium qui est capable de catalyser ces réactions avec des quantités quasi homéopathiques de palladium. On est 100 à 1000 fois inférieur à un catalyseur classique au palladium. Donc, un gain énorme, vu le coût du palladium. Et donc, on génère donc, un milieu qui est traité à nouveau par les racines et qui peut être donc réutilisé un certain nombre de fois. On est capable de travailler donc en recyclage, ce qui n'existait pas jusque-là. Une application concrète de ces travaux, à quoi ça sert? Eh bien, vous connaissez certainement les OLED. En tous les cas, ce sont les composants qui donnent la couleur bleue que l'on a dans les écrans d'ordinateur, les ordinateurs portables, les téléphones portables, pardon. Donc des composants importants dont le marché est en pleine expansion et qui nécessitent du palladium puisque la réaction antérieure pour produire cette couleur bleue nécessite un catalyseur au palladium. Donc nous avons testé l'éco-palladium donc, sur cette grosse réaction très importante et donc, qui a été fonctionnelle avec une quantité très faible de palladium qui montre tout le potentiel de ces catalyseurs. Pour faire un petit bilan, eh bien de ce travail à l'interface entre la chimie et l'écologie, eh bien on peut dire aujourd'hui que tous ces efforts finalement en phytoextraction nous ont permis d'élaborer de nouveaux catalyseurs, baptisés éco-catalyseurs, qui sont aujourd'hui eh bien, le point de départ de la production de médicaments à bas coût, agents anticancéreux, agents antiviraux, dont je n'ai pas eu le temps de parler, agents antipaludiques qui sont en préparation au laboratoire et qui avancent bien, des insecticides bio-inspirés, qui permettent eh bien, de répondre à une autre problématique, c'est la pollution par ces composés organiques, de nouveaux matériaux pour la chimie, donc j'ai parlé en particulier donc, des composés organo-électroniques, dont les composés donc, OLED, mais d'autres applications se cachent derrière, je n'ai pas eu le temps de les développer, et puis ce qui avance le plus vite au niveau du laboratoire, eh bien, la préparation de composés pour les cosmétiques, qui peuvent prétendre au label bio, compte tenu des procédés complètement verts et éco-responsables qui sont développés. Voilà un peu le bilan actuel qui montre que finalement, eh bien, cette interaction entre chimie et écologie peut être extrêmement productive et satisfaisante. Je vous présente tous les chercheurs donc, du laboratoire, enfin une grande partie d'entre eux, qui est un mélange de chimistes et d'écologues, dont le sourire traduit, je l'espère, l'enthousiasme sur ce programme. Et vous connaissez donc Cyril, qui est notre représentant local, puisqu'il est en présence en permanence donc en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il peut être votre interlocuteur donc à tout moment sur le territoire. Le slogan du labo, on y tient. Team, ce n'est pas seulement donc, le terme anglais qui veut dire équipe. C'est pour nous aussi donc, un slogan qui veut dire que finalement, en travaillant tous ensemble, quelle que soit notre sensibilité scientifique ou personnelle, eh bien, donc, on peut aboutir à des choses sympathiques. Et bien sûr, donc, nos supports financiers, c'est toujours très important. Public, que vous reconnaissez, les opérateurs miniers, l'Institut agronomique calédonien qui est en collaboration avec nous. Et au-delà des opérateurs miniers calédoniens, d'autres, belges, d'autres industriels qui ont des problèmes environnementaux et qui jouent le jeu avec nous, qui essaient donc de nous aider à développer des solutions. Et les industriels de la chimie qui sont intéressés par les débouchés, avec le plus important d'entre eux, donc Chimex, qui nous permet d'aller très vite et de rentrer en développement pour trois composés donc synthétisés au niveau du laboratoire. Voilà, je vous remercie. Je suis maintenant à votre disposition pour les questions.
quitter la fac la mauvaise année. Parce qu'en 2010, quand j'étais à la fac à Marseille, j'avais des cours de bioréménation avec Isabelle Chaud et Pierre Rappé. Oui. J'avais un vrai problème avec le fait qu'on ne valorise pas en fait, la phytoextraction et qu'on soit obligé de brûler les plants. Donc je suis vraiment contente de voir que voilà, vous avez pu évoluer et valoriser toutes ces plantes pour qu'elles soient plus considérées comme des déchets. Ma question en fait, c'est de savoir si vous avez également avancé sur la bioaccumulation et le problème de la chaîne alimentaire, à savoir qu'il faut parfois grillager les parcelles. Oui. Pour éviter que les plantes soient consommées. Donc, je pense notamment à Tibagi et Guava. Est-ce qu'il y a des études réalisées sur l'appétence de ces plantes vis-à-vis des herbivores? Alors, c'est une question importante, à double réponse, tout dépend effectivement du contexte. Alors, que ce soit à Tibagi ou sur les autres sites, donc, on protège tous nos plants, puisqu'on sait bien que les jeunes grévilléas attirent le cerf, hein, donc ça, c'est un risque. Donc tous les plants sont protégés. À Tibagi, on s'est payé le luxe de protéger plant par plant. Donc ils sont grillagés pour être protégés justement de cette appétence pour le cerf. À Saint-Laurent-le-Minier, on avait un autre problème en période de floraison, à savoir, parce qu'en fait, il n'y a pas que des industries minières, il y a aussi des choses très sympathiques, à savoir beaucoup d'apiculteurs. Et donc, une interrogation était de savoir si les abeilles venaient butiner sur ces sites en période de floraison, si ça avait un risque de contamination du miel. Ce sont les seuls insectes qui s'aventurent sur ces sites. Alors, c'est une étude qui a pris plusieurs années, parce qu'on voulait être sûr des résultats. La question était fondamentale, d'autant plus qu'on avait un apiculteur avec nous qui jouait le jeu. Hein, c'est-à-dire, il a placé ses ruches à proximité des sites miniers. On avait très, très peur de la réponse. On avait peur que son miel soit contaminé, qu'on lui annonce une mauvaise nouvelle. Donc, on a développé ce programme trois fois avec trois chercheurs différents pour être sûr du résultat. Et s'il y a, bien sûr, un transport en fait, des métaux via l'abeille, via le pollen, en fait, la qualité du miel répondait tout à fait aux normes d'un miel classique et qui était consommable. Et parfois, il était même de meilleure qualité que du miel qui est produit en zone citadine. Donc ça, ça a été, je veux dire, la bonne nouvelle, mais qui était loin d'être garantie au départ. Donc c'est quelque chose qu'on a regardé avec attention, qui était vraiment une très grosse préoccupation. Simplement, avant de passer à la question suivante, je connais bien Isabelle, donc on discute souvent ensemble, et il est très probable qu'on fera quelque chose toutes les deux, et pour moi, en tous les cas, valoriser les efforts qu'elle fait, qui sont tout à fait remarquables au niveau de l'écologie. Moi, j'ai une question pour, concernant les éco-catalyseurs. Quand vous parlez d'éco-catalyseurs du nickel, du nickel, est-ce que des plantes différentes ont des éco-catalyseurs nickel différents? Oui, tout à fait. Donc, c'est une question importante. La composition de la plante n'est pas la même. On a comparé notamment Geisoïs prinosa et Psychotria gabrielae. Et donc effectivement, la composition est différente et on a trouvé des choses absolument hallucinantes dont je n'ai pas eu le temps de parler, à savoir qu'on est capable parfois de générer des espèces qui étaient complètement inconnues en catalyse. C'est ce qui est arrivé avec Psychotria, où on a identifié du nickel 3, degré d'oxydation 3, ce qui n'arrive jamais, c'est quasiment inconnu. Et pourtant, cette plante a généré donc ce degré d'oxydation. De même, les anions qui sont en phase des cations ne sont pas nécessairement les mêmes. Et là aussi, encore Psychotria, donc on a identifié un sulfate complètement inconnu et on a réussi à trouver donc une explication à ce taux de sulfate très élaboré. Hein. C'est un sulfate organique avec une longue chaîne carbonée. Et donc on a mis en évidence que cette plante était capable et finalement de résister, de se développer sur des sols très pauvres en phosphore parce qu'elle réussissait à en remplacer dans certaines structures, en particulier les lipides de surface, les phospholipides, à faire en remplacement des sulfatolipides. Et ça, on le retrouve dans le catalyseur. C'est-à-dire cette originalité de la plante, cette empreinte végétale, se retrouve dans la structure du catalyseur. Donc effectivement, une plante donnée génère très souvent un éco-catalyseur différent. On n'a pas trop de variations entre les grévilléas. Donc les éco-catalyseurs, en fait, ont des structures relativement communes. En revanche, quand on développe un éco-manganèse au Gabon, et on avait comparé, on n'a pas du tout la même structure, la même composition et donc la même réactivité. Et la chimie qui arrive derrière est différente. Je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a une trame organique entre les éléments métalliques? Alors les complexes organiques qui sont en face de ces cations
sont des molécules relativement simples finalement. Ce sont très souvent des carboxylates, des malates, des citrates, donc des choses relativement simples, des complexes organiques, enfin des acides organiques qui sont très souvent présents dans le cycle de Krebs, qui sont des structures simples. Mais parfois, ça c'est moins connu, donc également des sulfates, c'est le cas des hyperaccumulateurs de nickel néo-calédonien. Merci. Moi, j'ai une question concernant le passage ensuite à un procédé ou à une utilisation industrielle. Oui. Je suppose qu'il va falloir énormément de sol, énormément de plantes. Pour faire pousser ces plantes, est-ce qu'il y a besoin de beaucoup d'engrais, beaucoup d'amendements? En fait, quel est le bilan matière ensuite global pour passer à une production industrielle? Alors, pour l'instant, on n'est pas à une production industrielle. On en est à des montées en échelle. C'est ce qu'on appelle le niveau pré-industriel. Pour voir quels sont les obstacles quand on passe donc sur des quantités importantes. Après, très clairement, si donc on a choisi de travailler en catalyse, de valoriser ces plantes par un système catalytique, c'est parce que les catalyseurs, donc par définition même du terme, donc sont très peu abondants par rapport à la matière à transformer. Vous avez vu les chiffres avec le palladium, on est à moins de 0,1% de palladium, ça veut dire très très peu de palladium pour la quantité produite. Donc on est dans un scénario où les quantités de biomasse ne sont pas complètement illusoires, complètement démesurées. Donc c'est quelque chose qui reste dans le domaine du rationnel. Après, dire quelles sont les surfaces, tout est dépendant du procédé chimique. C'est pourquoi on ne fait pas, je vais dire, des productions de masse. On ne va pas s'intéresser à une molécule qui est produite à plus de 100 tonnes, puisque là, effectivement, le calcul de surface donc, à cultiver ou à revégétaliser serait très, très important. Ça serait quelque chose de difficile à gérer. Ce qui nous intéresse, ce sont des molécules dites de niche, c'est-à-dire des molécules hyper difficiles à faire. Typiquement, par exemple, donc, l'antipaludique, qui est vraiment une difficulté majeure. Dans les produits cosmétiques, on s'est intéressé aussi à des molécules complexes, qui sont difficiles à faire par donc, les techniques conventionnelles, la catalyse chimique traditionnelle, et où là, on a une valeur ajoutée à apporter, mais le marché reste raisonnable pour que la biomasse à produire reste raisonnable et qu'on soit en accord avec l'idée initiale, qui est quand même d'abord de faire la revégétalisation de sites miniers. En revanche, bon, quand on voit les surfaces à réhabiliter, ne serait-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, voilà, c'est quand même aussi important. Mais on reste dans le domaine du raisonnable, tout en ayant à l'esprit que l'objectif, c'est quand même de stimuler les efforts de réhabilitation. Ce n'est pas forcément nous qui allons les assumer, d'ailleurs j'espère que non, j'espère que d'autres prendront le relais. Mais voilà, les surfaces sont importantes, mais les débouchés industriels restent raisonnables et en accord avec l'esprit de ce projet. J'avais une petite question par rapport au palladium, oui. En fait. Donc si j'ai bien compris, à partir des effluents industriels, oui. On arrive à extraire de l'éco-palladium. Du palladium. Du palladium pur. Oui. Oui, en fait, on extrait, ça sort des milieux réactionnels, hein, donc le catalyseur et le palladium. Hein, donc on récupère le palladium dans l'effluent, qui est après donc, absorbé par le système racinaire des plantes aquatiques. Et on le transforme en éco-palladium. D'accord, ok. Vous le transformez en éco-palladium. Oui. Alors, en fait, je posais cette question par rapport à un programme qu'on a en Nouvelle-Calédonie sur le scandium. On essaye de voir s'il y a un potentiel en Nouvelle-Calédonie. Et c'est des toutes petites quantités, certainement. Et donc, je me demandais jusqu'à quel point on pouvait imaginer des solutions par phyto-extraction ou pas. Typiquement, dans un contexte de faible quantité, je pense que justement, les plantes aquatiques sont plus adaptées. Le phénomène est plus rapide et la capacité de concentration est énorme. C'est-à-dire qu'on a toutes les chances que tout le scandium soit bioconcentré dans le système racinaire. Après, pour imaginer donc, une valorisation, il faut voir. Il faut voir l'effet de dilution du scandium parmi tous les cations physiologiques. Prendre des esperpages, c'est quelque chose à regarder. Je n'ai pas parlé en fait, d'un résultat qui n'est pas forcément si loin que ça, qu'on a développé en métropole sur une friche industrielle. On n'avait pas d'hyperaccumulateur de zinc, il y avait des faibles quantités de zinc, et on a utilisé en fait, des espèces ligneuses, des arbres qui sont de pauvres accumulateurs en zinc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas énormément de zinc dans la biomasse. Et pourtant, on a une activité catalytique en synthèse. On n'y croyait pas, compte tenu du peu de zinc qui était extrait. Donc là, peu de scandium, faut voir à quoi ça correspond vraiment. Et il faut imaginer une application qui va être en cohérence avec peut-être un faible taux de résiduel dans les racines. Mais
La catalyse fonctionne avec peu. L'effet du palladium, c'est celui qui est le plus démonstratif, puisqu'on est finalement avec vraiment des très très faibles quantités de palladium, et on a une très bonne activité catalytique, qui s'explique très bien par sa très bonne dispersion. Donc ce n'est pas parce que la quantité est faible que la valorisation n'est pas possible, surtout quand c'est une espèce métallique qui est aussi motivante que celle-ci. Ça mérite d'être regardé. Merci pour cet exposé très intéressant. Dans la mangrove, on peut avoir cette mécanique d'extraction de métaux qu'on va retrouver. Vous avez regardé espèces de palétuviers. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas regardé. Donc, ce qui peut se passer... Bon, normalement, le palétuvier n'a pas ses propriétés de transfert vers les parties aériennes. En revanche, est-ce qu'il y a un confinement dans le système racinaire? Ça, c'est possible. Les espèces hyperaccumulatrices de métaux restent quand même des espèces exceptionnelles et assez rares. C'est vraiment une stratégie d'adaptation locale qui n'a rien d'universel. On peut donc aller sur un site minier où il y a une richesse en métaux, trouver des espèces végétales qui n'accumulent pas. Si elles survivent, elles peuvent peut-être tout simplement confiner dans les racines, tolérées, sans plus. Moi, j'ai juste une question. J'ai vu qu'en fait, ce que vous prenez sur les racines ou les plantes, souvent les métaux sont sous forme de complexes, en fait, et sûrement des gros complexes avec des molécules organiques. Et après, par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que les catalyseurs, c'est souvent des nanoparticules sur des surfaces et des choses comme ça. Donc en fait, il y a un moment où vous allez précipiter ou réduire en forme de nanoparticules. Et ça, vous le contrôlez, en fait, quand vous faites la... ce qui se passe, l'exemple le plus intéressant, c'est le palladium, puisque le changement de degré d'oxydation est facile. Donc il est extrait par la plante au palladium 2, il est réduit dans les racines par les structures polyphénoliques en palladium 0. Et on avait essayé de voir, parce que après la chimie du palladium, c'est une chimie qui se fait avec le palladium 0. Donc on avait essayé de voir si on traitait donc habilement les racines en préservant le palladium 0 de toute oxydation, s'il serait actif. En fait, pas tellement. Donc l'opération la plus simple, c'est donc un traitement thermique contrôlé qui va réduire une partie de la matière organique, pas tout, la lignine n'est jamais détruite, mais qui va quand même provoquer l'oxydation du palladium 2. Et après, donc, on va l'introduire en milieu réactionnel, en fait, par des composants qui vont générer sa réduction in situ. Les analyses XPS, parce que moi j'ai un spécialiste, j'en profite, donc nous permettent sans arrêt de savoir à quel degré d'oxydation... Si vous avez du 2, 3, et vous arrivez à contrôler les tailles ou les choses comme ça, vous essayez ou pas trop? Oui, tout à fait. Tout est dans la préparation de l'éco-catalyseur la phase de supportage dont je n'ai pas parlé. C'est fondamental puisqu'on est, en catalyse, donc on retrouve des grands principes, surface spécifique élevée, porosité importante. Il faut tendre vers ces propriétés. Dans le cas de l'éco-nickel, par exemple, à titre, de façon très précise, l'éco-nickel a des propriétés de surface qui sont très proches d'une montmorillonite K10. Donc c'est déjà pas mal, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais savoir quel était le devenir, en fait, des sites revégétalisés et exploités ensuite pour la phytoextraction. Est-ce que l'objectif, c'est du coup de les exploiter sur du long terme, ou est-ce qu'au bout d'un moment, ils sont laissés à la nature pour un retour réel de la biodiversité? Donc, comme je l'ai expliqué, dans les différentes étapes de revégétalisation, l'objectif ultime, c'est donc d'élargir la biodiversité. Donc, ce n'est pas de faire de la monoculture avec une espèce qui fait de la phytoextraction. Ce n'est pas du tout dans nos objectifs. De toute façon, on est déjà dans la diversification, on a déjà introduit pas mal de légumineuses. Donc, on est dans cette optique. Ce n'est pas de la restauration écologique au sens propre du terme, mais quand même, l'esprit y est. Donc, simplement... Vu les espaces qui sont à revégétaliser, les surfaces sont considérables. Et de toute façon, pour démarrer, on est quasiment obligé de commencer par le genre Grevillea. Donc c'est un point de départ. On considère que la biomasse et l'abondance de la litière, c'est déjà une ressource naturelle importante, abondante. Et ça ne nous gêne pas de dire que dans 10 ans, on espère bien avoir introduit des espèces qui ne seront plus des hyperaccumulateurs. Pour nous, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. En revanche, on sait très bien que pour que la réhabilitation aille jusqu'au bout, il va quand même falloir trouver un débouché économique. Sinon, ça sera comme d'habitude, ça sera abandonné. On veut absolument éviter ça. Et on veut donc au maximum essayer de faire coïncider les deux objectifs. Ce n'est pas simple, mais on fait le maximum pour.
Oui, vous avez dit tout à l'heure que toutes les plantes n'étaient pas hyper accumulatrices. Il y a beaucoup de plantes qui font des mycorhizes. Oui. Et qui se protègent donc de la toxicité du nickel. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'était de la partie champignon qui complexait ce nickel. Est-ce que les champignons qui fonctionnent dans les mycorhizes ne seraient pas une bonne source aussi d'éco-catalyseurs ? Ça fait une biomasse toute petite parce que les mycorhizes sont quand même encore des micro-organismes. En revanche, c'est un effet qu'on a étudié donc, sur le site de Saint-Laurent-le-Minier et sur des friches industrielles, l'effet des mycorhizes. Donc ça, on l'a étudié très clairement. Bon, il a déjà fallu identifier ces souches spécifiques. Pour nous, ça n'a pas protégé de la toxicité. En fait, ça a augmenté la biodisponibilité des métaux qui étaient présents sous forme d'oxydes. C'est souvent le cas avec le manganèse, les oxydes de manganèse que la plante ne peut pas extraire. Et donc l'inoculation avec les souches mycorhiziennes a augmenté la solubilité du manganèse, a détruit ces clusters d'oxyde de manganèse et en fait l'espèce donc, est devenue beaucoup plus accumulatrice de manganèse. Chez nous, ça a eu cet effet. En revanche, donc, les champignons donc, volumineux qui accumuleraient les espèces métalliques et qui deviendraient des éco-catalyseurs, hein, parce que c'est quand même une très bonne idée, c'est quelque chose qui est étudié. Avec donc un collègue dont c'est un peu la spécialité, peut-être que certains le connaissent, qui est donc c'est Michel Chalot chez Chrono Environnement, qui essaie de développer donc la culture de champignons donc qui accumulerait les métaux. Et j'attends avec impatience que ces essais réussissent pour les tester. Bon, une question bête. Est-ce que sur un sol qui est contaminé par de multiples métaux, on peut planter différentes espèces, chacune ayant une affinité particulière avec un métal particulier ? Oui, je peux dire oui avec certitude, parce que quelque part, c'est un petit peu ce qu'on fait sur les sites miniers de Nouvelle-Calédonie, à savoir que y a une composition polymétallique dans le sol, hein, nickel, manganèse, chrome, cobalt, fer, etc. Un grévélé à exoul accumulera spécifiquement le manganèse. Hein. On a tous les 2 mètres un arbre différent. Et à 2 mètres d'intervalle, vous mettez un Geissus prinosa, il accumulera que le nickel. Hein. Il peut avoir du manganèse, du chrome, il n'y a pas de souci. Il est spécialisé dans l'élément métallique qu'il extrait. C'est toujours impressionnant, hein, d'ailleurs. Du coup, est-ce que vous avez mesuré, en même temps que vous revégétalisez, la diminution, la concentration de ces métaux lourds dans le sol? Et du coup, je reviens un peu à la question tout à l'heure, quelle est la pérennité à long terme? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, est-ce que le phénomène ne peut pas s'arrêter? Alors, donc, pour répondre à votre question, il y a 2 contextes très différents. En Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose que l'on ne fait pas parce qu'on ne peut pas parler de pollution. Hein. Les opérateurs miniers ne polluent pas le sol. Hein. Il y a naturellement des métaux très abondants dans le sol. Donc, ils dégradent la végétation pour extraire le minerai, mais ce n'est pas eux qui vont disséminer sur un site, sur une parcelle, les métaux. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé, de toute façon ils sont naturellement très abondants. Pas assez pour eux, pour faire l'extraction, mais suffisamment pour nous, pour que ces arbres donc, se développent et continuent à accumuler. En revanche, dans les contextes de pollution réelle, et c'est bien le cas à Saint-Laurent-le-Minier, là les opérations minières ont pollué. Les bassins de décantation, c'est plusieurs mètres de sédiments contaminés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on suit, bien sûr. Et c'est même quelque chose qui a été évalué dans la durée par l'ADEME, donc qui a fait des estimations à la vitesse de phytoextraction des plantes qu'on développe. Et donc pour eux, il faudrait 50 ans pour épuiser donc, les ressources minérales et revenir à un contexte normal. Alors quelque part, 50 ans, bah, c'est idéal pour développer une activité économique, hein, parce qu'à 10 ans, personne n'oserait se lancer. Si on veut dépolluer, il faudra, vous allez me dire, savoir patienter, c'est long. En revanche, l'objectif qui nous est demandé par l'ADEME, ça n'est pas de dépolluer de façon rapide. Le problème le plus important actuellement, c'est vraiment de stabiliser le sol. C'est vraiment un problème. C'est vraiment de réintroduire un couvert végétal protecteur pour limiter l'érosion éolienne, qui est vraiment le problème numéro 1 qu'ils ont identifié. Donc il y a un effet à court terme qui est bénéfique, et sur la durée, donc il y a un effet plus profond de dépollution. J'avais une petite question concernant, en fait, quand vous avez commencé à travailler sur Grévillea, exul, enfin les Grévillea et puis les Geissoïs, est-ce que, avant de choisir ces deux espèces-là, vous avez regardé l'intégralité du potentiel d'hyperaccumulation des plantes en Nouvelle-Calédonie par rapport aux différents métaux ? Oui, alors on l'a fait. C'est quelque chose qui a été longuement discuté, justement avec Tanguy Joffré, avec nos collègues de l'IAC.
et avec d'autres, Alan Baker, vraiment des gens spécialistes du domaine. Et on a essayé de faire une synthèse un petit peu de toutes les observations. On s'est également rendu sur les parcelles qui avaient été l'objet d'opérations de réhabilitation. Et à Thieu, on a commencé comme ça. Et donc, il y avait une convergence évidente entre les acquis scientifiques et la connaissance de ces plantes et les résultats sur le terrain. Et sur la parcelle de Thieu, qui avait été abandonnée, il n'y avait vraiment plus que des crévéléas. Quand on a vu ça, pour nous, il y avait vraiment une convergence entre connaissance et expérience. Alors, donc, c'est par celle-ci qu'on a commencé. Donc là, on est en train d'en chercher d'autres. Mais c'est compliqué, il n'y en a pas tant que ça. Donc, les connaissances et les résultats montrent que malgré la diversité des hyperaccumulateurs qui sont présents en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas non plus une infinité qui seront capables de résister à ciel ouvert. Beaucoup sont des espèces forestières. Et là, on n'y est pas encore. On verra peut-être plus tard quand cette végétation sera bien développée. Pour l'instant, on est vraiment limité par des espèces qui vont résister, donc à des plantes de maquis qui vont résister ciel ouvert, à la sécheresse et aux conditions très dures de démarrage. Merci. Est-ce que vous avez fait des expériences avec le vétiver ? Parce que le vétiver a la réputation d'être particulièrement résistant aux métaux lourds. Et est-ce que vous avez pu en trouver sur les sites miniers où on a revégétalisé déjà avec du vétiver pour tenir les sols ? Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout regardé. L'objectif actuellement, c'était vraiment dans un programme très constant pour... on pourrait, peut-être, c'est peut-être quelque chose à regarder, mais c'est quelque chose qui n'a pas été étudié, de façon à ne pas trop se disperser, parce qu'en fait, il ne suffit pas que la plante soit tolérante. Encore une fois, il faut vraiment qu'elle ait la capacité d'extraire et de transporter les métaux. Donc on est resté dans cette gamme d'espèces végétales. C'est déjà très compliqué, parce que vous avez eu toute la chimie qu'il a fallu redécouvrir, réétudier derrière, donc ça viendra peut-être, pourquoi pas, mais actuellement, ça n'a pas été regardé. Encore une petite question. Est-ce qu'il y a un potentiel concernant l'extraction des métaux dans le cadre du recyclage ? Alors, je pense à tous les métaux utilisés, par exemple, dans les téléphones portables, etc. Et pour le moment, on a d'énormes difficultés à les réextraire pour éventuellement les réutiliser. Est-ce qu'il y a Alors, il y a des expériences qui sont réalisées. Donc, il y a un chimiste à Chimie Paris-Tech qui travaille sur ce sujet. Malheureusement, pour que ça soit assimilable par les plantes, il faut les mettre en solution. C'est-à-dire qu'il faut faire une attaque acide préalable. Donc, si on accepte ça, pour attaquer le métal et le rendre disponible, parce qu'une plante ne pourra jamais extraire le degré métallique, il faut que ça soit sous forme oxydée, eh bien, c'est tout à fait possible, puisque les plantes aquatiques qu'on développe résistent très bien au milieu acide. Je n'ai pas parlé d'un autre scénario qu'on développe qui ressemble un peu à ça, un milieu naturellement acide, qui correspond à des extractions de carrière, où la roche est riche en sulfure, et à force de l'effriter, eh bien, les eaux de pluie réagissent, et donc oxyde le sulfure en sulfate, pire qu'en sulfate, en acide sulfurique. Et donc on arrive par ce biais à récupérer donc l'acide, donc les plantes tamponnent très très vite le milieu, le neutralisent, et extraient les métaux en parallèle. Donc ça ressemble un petit peu au milieu que vous proposez, mais il faudra faire cette attaque acide préalable. Mais qui est de toute façon faite si on fait un procédé de recyclage. De toute façon, ce sera la première étape. Voilà. Oui, c'est d'accord. Pas pire que d'autres. Donc on gagne sur les étapes suivantes éventuellement. Oui. D'accord. Oui. Voilà, je pense que c'est fini pour les questions. Merci à tous de votre attention. Merci.